sale de chez Mango, je me suis pris cette pochette. C'est plutôt un petit sac. C'est comme ça. Celle-ci, je l'ai pris même avant de partir en vacances, donc fin août. Voilà, de base, elle existait en rouge, beige et noir. Elle coûtait 70 euros et pendant les soldes, je l'ai eu à 30 euros. Moi, j'ai pris. Alors ensuite, donc viennent les accessoires. Non, je vais plutôt faire les chaussures, après je ferai les accessoires en dernier. En chaussures, j'ai pris des cuissardes chez Zara. Elles se présentent comme ça et portées, franchement, elles sont trop belles. Et on est vraiment à l'aise. En fait, on a un talon de 11 cm, mais on a un talon compensé ici devant. Et franchement, moi quand je le porte, je suis à l'aise. Non, quand je les ai essayées, parce que je ne les ai pas encore portées. Elles ont coûté 119 euros pile poil. Très beau, très joli pour l'été, pour l'automne hiver, c'est vraiment très très joli. Ensuite chez Mango, j'ai pris des bottines, j'ai pris celles-ci. D'ailleurs que j'ai fait, je les ai portées aussi en tenue du jour. Voilà, et celles-ci me sont revenues, je sais plus, soit 70 euros ou 69, je sais plus. Elles sont vraiment hyper belles, on est à l'aise pareil, il y a le compensé devant et c'est pratique. Et chez New Look, j'avais pris des chaussures aussi, simples, à 30 euros je pense, ça change un petit peu simple. Et vous avez les petits clous devant ici, puis c'est à la mode les petits clous, j'ai bien aimé. Et après pour terminer, niveau chaussures, j'ai pris celle-ci. Chez Mango, je les trouve trop belles. Ça change un petit peu. Là, l'avant qui est en doré, je trouve ça vraiment joli, original. Ça change un petit peu de toute chaussure. Donc voilà, le talon il est bien. Moi en tout cas, je suis à l'aise. Quand je les ai essayées, j'étais à l'aise. Donc voilà. Et celle-ci, elle coûte soit 69,90 ou 79,90 €. Je sais plus le prix. Voilà, niveau chaussures. Et là, je vais vous présenter donc les accessoires. Il faut juste que je trouve le sac des accessoires. Non, tout est là. Donc, mes accessoires viennent de chez Zara et de chez New Look. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter un collier que j'ai pris. Comme ça, c'est un collier classe, je trouve. Vert. Avec un noir ou un robe noir, ça fait pas mal. Je présente comme ça. Et je ne l'ai pas encore porté d'ailleurs, il vaut 22,95 €. Et j'ai aussi celui-ci que je porte, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, pareil. Dans les mêmes prix, 22-24 €, je ne sais plus. Voilà, après j'ai chez New Look, j'ai pris 3 bracelets. Présente comme ça, un petit peu avec les pics. On avait un avec des petits diamants et un deuxième avec des petites perles noires. Avec les petits pics, pareil. Et un troisième, en fait, c'est des hippopotamus. Hippopotamus, je sais pas, c'est des hippopotames. Qui sont comme ça. Voilà, et pas mal. Par contre, j'ai plus les prix des accessoires. Celui-ci, c'est 4,99 €. Non, c'est 4 livres, mais en euros, ça donne... En euros, ça donne 6,99 € pour celui-là. Et celui-là, j'ai plus le prix. J'ai pris des boucles d'oreilles. Celle-ci que j'ai trouvé assez jolie en fait. Elle se présente comme ça. C'était une édition limitée. Je trouve ça joli, ethnique un petit peu. Elles m'ont coûté entre 5 et 6 euros à peu près, celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci aussi que j'ai bien aimée pour en général pour sortir même en journée. Elles sont pas mal. Et celle-ci a mon coûté 4,99 €. Chaque fois que je regarde le prix entre le livre et l'euro. Après, j'ai pris deux bagues. C'est les mêmes bagues en fait. C'est juste qu'au niveau du coloris, c'est un petit peu différent. Voilà, je les aime bien. D'ailleurs, j'ai pris des tailles M et c'est un petit peu large, mais bon, tant pis. C'est exactement la même chose, sauf que là, on a un diamant, pas vraiment un diamant noir. Et là, c'est un petit peu plus doré. Ensuite, j'ai pris celle-ci aussi, c'est une autre bague aussi. En fait, elle est pareille, sauf qu'à l'intérieur, on a des pieds de poule. Pas mal. Et un autre collier en perles de chez New Look, pareil,
qui m'est revenu à 7,99€. C'est plutôt pour porter en soirée, pas en soirée, mais quand on sort avec des amis ou quand on invite au restaurant, je trouve ça pas mal, je trouve ça assez chic. Et dernière boucle d'oreille, celle-ci, 3,99€, pareil, j'ai bien aimé les petites boucles simples, c'est très très joli. En accessoire, je pense que c'est tout. Et après, j'ai pris donc des vernis. Alors, en vernis, j'ai 4 vernis. Donc, je commence par vous présenter celui-ci. En fait, c'est un duo qui s'appelle Golden Jungle de chez Dior. C'était une édition limitée. Donc, en fait, c'est un effet, quand on applique sur les ongles, c'est un effet... Un peu, c'est marqué. Ongle effet cuir croco. Donc c'est très 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 joli, voilà, je vais vous montrer, on se présente à l'intérieur, j'ai déjà porté ça deux fois et j'ai trouvé ça vraiment très 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 joli. Donc on commence en fait par appliquer le doré, après on applique le kaki et c'est très 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 joli. Celui-ci normalement il coûtait 29,90€ mais j'avais les mes 20%, je les ai eu pour 23,90€ chez Sephora. Après, j'ai pris la manucure caviar. La caviar manucure, j'ai inversé. Là, j'ai pris noir. J'ai pas encore testé, mais c'est très très beau. En fait, vous avez des petites billes comme ça appliquées sur les ongles. Je trouve ça un petit peu différent des autres vernis et c'est vraiment très joli. Après, j'ai pris 3 vernis. Donc, il y en a un de chez Dior. Non, de chez Chanel, Yves Saint Laurent et de chez Essie. J'ai pris le rouge noir de chez Chanel, il est vraiment très beau. En fait, pour moi, c'est plutôt des vernis que j'ai plus utilisé cet automne, cet hiver. Et je trouve ça très joli, c'est des couleurs sombres. Rouge noir, très beau. Et il y a le mauve naïf de chez Yves Saint Laurent aussi, il est trop magnifique à appliquer sur nos peaux noires. C'est très très joli. Peu importe la peau, mais en tout cas, moi, sur moi, je trouve ça très très joli. Et j'ai pris le... Bahamas Mama, voilà, il est très 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 joli, d'ailleurs c'est celui que je porte, il est très mignon, et en fait ça va un petit peu dans le style de ces coloris là qui se portent en automne-hiver. Ensuite en rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est un mauve, il est très 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 beau, sombre, qui se porte en hiver, et c'est la couleur... Je vais quand même le swatcher pour que vous puissiez voir. Il est comme ça, il est trop beau. Après, il faut oser aussi de porter les couleurs sombres sur ses lèvres pendant l'hiver. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et c'est la couleur 112. Voilà, c'est la couleur 112, il est très très beau. Et j'ai pris aussi donc chez Kiko, par contre leurs gels ils sont pas du tout pratiques à ouvrir. Chez Kiko j'ai pris un pareil couleur d'hiver, un bordeaux foncé. C'est le 512, mettre à côté. Celui-ci il est plus satin que l'autre, il est plus brillant. Ça se rapproche un petit peu et c'est les couleurs d'hiver, il est très 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 beau. Par contre, le seul inconvénient, c'est un petit peu leur packaging que j'aime pas trop. C'est pas pratique à ouvrir plutôt. Et je trouve ça pas du tout pratique. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, il est très très bien. Et j'ai pris aussi un correcteur de vernis. Que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il est pratique pour les ongles. Alors, chez Clinique, j'ai pris une crème contour des yeux. Qui s'appelle All About Eyes. Alors, qui réduit les poches et les cernes. Moi, je n'ai pas spécialement de cernes, mais c'est plutôt pour les poches parce que le matin, j'ai les yeux à un point, mais pas possible. Mais depuis que j'ai ça et ça marche très très bien, je l'applique que le soir parce que le matin, j'ai pas le temps. Donc, je l'applique que le soir et franchement, ça marche très 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 bien. Et j'ai eu donc dans le pack, j'ai eu le Roll-On en testeur. Celui-ci, c'est mon chéri qui l'utilise. Et j'ai eu aussi un mascara qui s'appelle le mascara impact optimal que je vais pas tarder à tester non plus. Donc voilà, j'espère, non je pense que je vous ai tout montré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs je tenais à remercier toutes mes nouvelles abonnées, je vous fais des gros bisous et ça me touche vraiment beaucoup, merci de vos messages, de vos encouragements et la vidéo concours arrive très 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 bientôt.
Je vous fais des très 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 gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao ciao.